La réponse de Guillaume Pépi n'a pas tardé. Dans un courrier adressé au maire de Toulouse, le président de la SNCF précise que pour le moment, il n'y a pas en France de projet de ligne à grande vitesse qui soit en chantier, et d'ajouter concernant le prolongement Paris-Bordeaux vers Toulouse, que l'instruction de cette ligne par l'État est toujours en cours. Une réponse qui satisfait ce matin Jean-Luc Moudenc. Il aurait dû ne pas parler, puisque lui-même reconnaît dans la lettre de réponse qu'il m'a faite qu'il n'est pas décisionnaire. C'est l'État qui décide. Et si j'ai décidé d'interpeller les candidats à la présidence de la République, c'est parce que je sais bien, nous savons bien, depuis toujours, que c'est l'État, c'est le futur gouvernement qui a la compétence de prendre la décision de faire ou de ne pas faire ce projet. Donc le gouvernement actuel a décidé de le faire. Je souhaite que le prochain gouvernement respecte la parole de l'État au nom du principe républicain traditionnel de continuité de l'État. Avant d'interpeller les candidats à la présidentielle, le maire de la 4e ville de France souhaite mobiliser les Toulousains et plus largement les habitants de la région. Une banderole fixée hier sur la façade de la mairie rappelle qu'une pétition est en ligne. Je l'ai signée le premier jour. C'est la seule grande ville, je pense, qui reste sans être reliée par le TGV à Paris. On attend ça avec grande impatience. Pouvoir aller sur Paris plus facilement, parce qu'au final, les aéroports, ça revient à 3 heures de temps, le temps d'aller à l'aéroport là, et après à Paris, Orly et Roissy. Donc voilà, on attend ça avec grande impatience. Ce matin, 6200 signatures étaient comptabilisées pour réclamer l'arrivée de la ligne à grande vitesse à Toulouse.